et bienvenue dans le Focus. Nous sommes le samedi 10 octobre 2020. Il est 16h au quartier Siméyang à Yaoundé. Avec l'équipe, nous allons au lancement des activités d'une ONG spécialisée dans l'éducation, l'entrepreneuriat et la culture. Leur nom, Most Art et Culture. Suivez-nous. Let's go. Actually an association which has as targets four main domains of our society: music and arts, health, education and entrepreneurship. We want to help build a stable society through these four branches. Actually, we are launching Most Arts and Culture. That's why we have all this environment crowded. We want to reach out to the needy. We want to help improve the lifestyle of our people through what we can bring. That's actually us. So, Most is an international association? Of course, Most is an international association. First based in Belgium and now launch in Cameroon. Okay, so what would you tell to people who are watching right now about Boost? What I would tell them is come and discover, and we will be able to help improve your creativity and improve your talent. That's Boost. Alright, thank you so much for that explanation, Joe. Thank you. Hello everybody. Are you happy? We've been hearing a lot of things in French. I want to go in English for those who are speaking English as the first language. And for those who are bilingual, I guess you're not lost. I just want to sing it. The sound recording room. Can you tell us a bit about this room, please? Okay, this is where the technical part of the recording is being set up. You can see all the machines, the computers that are used recording and processing the sound. And I present you Shide, who is the sound engineer. Okay. Hi Shide. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Peux-tu t'expliquer un peu tout ce que vous faites dans cette salle? Ici c'est la régie, c'est un studio. De notre côté, c'est le box d'enregistrement. Ici, c'est un studio, en fait, la régie. Et je suis là au service de ceux qui jouent ou chantent de l'autre côté. Ouais, donc, c'est ça. Je suis là, je suis ingénieur du son. Je suis là pour enregistrer et traiter le son. En fait, c'est. En petit trois, c'est la cuisine où se prépare le repas à consommer, le repas musical à consommer. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui écoutent, aux téléspectateurs, aux gens qui vont écouter à propos de cette salle à propos de Most? Most, c'est la qualité, c'est l'originalité. En fait, la bonne chose, on forme ici à faire des bonnes choses et en fait. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons amener la qualité au Cameroun, une qualité différente de celle qui est là. Vous voyez un peu la qualité du matériel qui est mise en place. Très professionnel.
matériel professionnel assez élevé pour faire de la bonne sauce, pour préparer la bonne sauce. Donc Amos, c'est la qualité, c'est l'excellence et c'est du succès. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Bonne journée. Meilleur à vous, merci. Ciao. Ciao. Nous sommes un plus dans la kyrielle d'associations et d'élan humanitaire qui travaille à faire du bien-être aux hommes. Et Mos veut dire pont en polonais. Pourquoi un pont? What could you tell to people who are listening right now about Mos? Évidemment, je voudrais pas être trop les flatter, mais je voudrais qu'ils viennent par curiosité. Et tout ce bon qu'on a vécu à la fin, ils viennent, ils se rapprochent de nous et puis nous allons partager, ils verront tout ce que nous allons, tout ce que nous mettons à la disposition de la jeunesse congolaise dans le cadre de Most. C'est waouh. Déjà, nous sommes une association à but non lucratif, dont le but n'est pas pour nous de faire de l'argent, mais de faire une autre richesse autre que celle de l'argent. Donc, que les gens viennent vers nous et ensemble nous allons prier. Right. Okay. Thank you very much for this energy. C'est un plaisir. Okay. La qualité de l'art et de la culture, que ce soit au Cameroun ou à l'échelle internationale. En passant, Mosca a de grands partenaires un peu de partout, en Afrique et dans le monde, en Europe, partout. Donc Mosca veut le perfectionnement de la culture et de l'art. Mosca veut valoriser la culture et l'art. Et il faut préciser que j'ai été invité par le biais d'un ami. En ce qui concerne l'association Mosca à Écriture, et il faut dire que quand je suis arrivée, vraiment, ce que j'ai trouvé, c'était juste des réflexions. De par la qualité du matériel que j'ai trouvé sur le terrain, les services qu'ils proposent. De cette vidéo consacrée au Focus. Pour plus d'informations sur Most, contactez-les via le numéro dans la description. Abonnez-vous sur Mindful Entrepreneur et UrbanTube. Et n'oubliez pas, on est ensemble.